Tu es le seul, Seigneur, tu es le seul. Tu es le seul, Seigneur, tu es le seul. Ni ouais ouais tout, bwana, ni ouais ouais tout. Ni ouais ouais tout, bwana, ni ouais ouais tout. Ni ouais ouais tout, bwana, ni ouais ouais tout. Ni ouais ouais tout, bwana, ni ouais ouais tout. It's only you, Jesus. It's only you. 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 C'est toi le seul, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut me sauver. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Ni ouais, tout, bwana, ni ouais, tout. 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 Wakunipenda, bwana, ni ouais, tout. Ni ouais, tout, bwana, ni ouais, tout. Unanipa vyote Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Wakunibariki Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu. Tunashukuru jina la Yesu Kristu, mpendwa mtazamaji. Hatutakosa na kuchoka kusema tena asante kwa Mungu kwa mema yote anayotutendea katika maisha yetu. Watu wengi sana wanasahau kumshukuru Mungu, kwani wanawaza ni kwa nguvu yao ndio wanakuwa vyenye viko. L'ignore, nous ne sommes pas nés tels que nous sommes ici. Tulizaliwa katika hali nyingine, tukakomaa katika hali nyingine, na leo tuko wazazi, nasi tuna haja ya kuwakomalisha watoto wetu katika oga wa Mungu, katika uwepo wa Mungu. Na ombi ya kila mzazi ni kuomba Mungu ampatie hiyo neema na hekima ya kuweza kuwalinda watoto wake katika uoga wa Mungu na kuwashauria mambo mengi ya Mungu, kuwafundisha Biblia, wamtumikie Mungu. Lakini shughuli za maisha zinatusonga sana, hazitupatie kabisa wakati yote komple ya kufanya ile ambayo tunapenda tufanye. Wakati wote tunapenda tuende kanisani na watoto,
lakini tena watoto wanatusumbua kanisani, yote ni kwa utukufu wa Bwana. Tunajilamanteme, yote ni kwa utukufu wa Bwana. Yenye Mungu atusaidie hapo tu, ni kumpatia hata wakati mmoja kama na hii ya kuweza kumshuhudia katika maisha yetu, kumuongelea katika maisha yetu. Mimi binafsi hapa niko wa kwanza, Mungu amenitendea mambo mengi sana katika maisha yangu. Siwezi kuwa incrante hata kidogo, kwani ninapotoka ni mbali. Hapa ninapo nashukuru Mungu sana. Na tena nina heri na matumaini kwamba yeye ambaye alitosha katika maisha yengine ametufikisha hapa mbele, kuna mazuri zaidi kuliko haya. Sababu ninamtumainie na nina espoir kwamba maisha yangu ya kesho ni ya mzuri kuliko ya leo. Naiona kesho nzuri sana kuliko leo. Na leo yangu ni nzuri sana kuliko jana. Naiona kesho nzuri sana kuliko leo. Jameni sana, tumtumainie Mungu. Kwani anasema yoyote anayemtumainia hatapata haya. Nami niko mtoto wake, mimi mama Furaha, niko mtoto wa Mungu, sitapata haya hata kidogo. Hata mtu mwingine apende anifezereshe juu ya vitu vya dunia, mimi siogopi kitu, sababu nina Mungu wangu mbinguni ambaye anawatetea watoto wake ambao wanaishi katika woga wake. Hata dunia itufadhaishe, itupeleke huku na huku, ili tuweze kumsahau Mungu. Mungu anatujali tu, nasi tutamuomba endelee kutunehemesha, tumkumbuke kila wakati, tumshuhudie kila wakati katika maisha yetu, kwani tukimshuhudia atafanya tena zaidi. Na tukiendelea kuishi katika uoga wake, tukiishi gisi yeye anapenda, tutabarikiwa zaidi na tutainuliwa zaidi kiroho, kimwili, kiakili, kipesa, katika familia tutainuliwa zaidi na tutaepushwa na yote ya mwovu shetani. Najua mpango ya shetani juu ya maisha yetu, yeye anapenda tumutegemee, tutegemee vitu vya dunia, tusahau Mungu. Ametuletea ma WhatsApp, ametuletea ma TikTok, ameleta vitu vya mingi ili tumsahau Mungu. Lakini gizi Mungu ni wa uwezo sana, ameleta mtandao hii akasema, nono shetani, wewe uko chini ya ulinzi wangu. Hata umesema watu wangu watanisahau juu ya WhatsApp, watanisahau juu ya TikTok, watanisahau juu ya mastatu, watanisahau juu ya Facebook, havitawezekana. Nitatumikisha hiyo mtandao juu ya kupreshe bonne nouvelle. Ndio maana hatuna vrema hoga, hata tuko kwenye WhatsApp, hata tuko kwenye Facebook, hata tuko kwenye TikTok, hata tuko kwenye stati. Tunabarikiwa na message za wandugu wetu mbalimbali, na tunaona neno la Mungu, tunaona evangile par jour, même si tu n'as pas eu le temps d'aller à l'église, mais nous avons déjà l'occasion de trouver même la parole du jour par internet. Mais malheureusement, même si on n'est pas parti à l'église vraiment, ce n'est pas vraiment bien. Parce que là, on ne peut pas se communier sur Facebook. On ne peut pas vraiment se communier. Mais c'est toujours bien de donner un temps pour Jésus. Nous sommes bénis parce que nous avons des sanctuaires dans presque toutes les villes ici au Nord Kivu. À Goma, nous avons les sanctuaires Saint-Joseph. Il y a aussi Buhimba. Il y a ailleurs beaucoup de sanctuaires. À Butembo, nous avons les sanctuaires Saint-François d'Assise, au centre-ville, et qui donne l'occasion à tous les commerçants de Butembo d'avoir le temps d'aller parler à Jésus. Vraiment, nous sommes bénis, hein, comme la ville de Butembo est une ville commerciale. Dieu a lui-même choisi le centre-ville pour y mettre le sanctuaire. Oh mon Dieu, merveilleux vraiment. À Goma, nous avons le sanctuaire de Saint-Joseph, au quartier Virunga, juste à côté du marché de Virunga. Oh mon Dieu, à Vuimba aussi, il y a l'autre sanctuaire. Aussi, il y a l'autre sanctuaire à Beni, le sanctuaire de Marie de Guadeloupe. C'est au centre-ville aussi. En tout cas, nous sommes bénis, nous les chrétiens. Parce que vous pouvez compter, dans certaines villes, il n'y a pas même de sanctuaire. Vous allez seulement à l'église le matin et le dimanche, le matin et le dimanche. Mais nous, avec les sanctuaires, nous avons la grâce d'aller soit à l'église le matin, et vous restez encore là-bas pour l'adoration, si vous n'en faites pas affaire, par exemple, vous restez là-bas pour l'adoration, encore à midi, vous pouvez faire encore la messe, et puis encore l'adoration du Saint-Sacrement, et le soir encore,
la messe. Oh mon Dieu, Dieu est vraiment merveilleux. Dieu, tu es merveilleux. Tu es tout pour moi. Tu es ma louange. Dieu, que mon cœur te chante, que mon cœur te loue. Tu es ma victoire. Tout est ma joie et de proclamer que tu es bon. Jour après jour, tu t'es fait connaître à ceux qui te cherchaient. Jour après jour, tu t'es fait connaître à ceux qui te cherchent. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Jour après jour, Dieu se fait connaître à ceux qui le cherchent. Et je suis parmi ceux qui sont en train de chercher Dieu. Franchement, Dieu, je te cherche de tout mon cœur, de toute mon âme, avec toute ma famille. Moi et ma maison, nous voulons te servir. C'est pourquoi nous sommes en train vraiment de te chercher. Pour que tu puisses te faire connaître à moi, à ma famille. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons notre Dieu. Et André, c'est moi, il y a la source de vie. C'est pourquoi nous les louerons, c'est pourquoi nous les servirons. L'Éternel, Dieu des armées, l'Éternel, Dieu des armées. Reçois la gloire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison, ce n'est pas la maison là que vous pensez que c'est la maison. Hein. Dans la Bible, la maison est identifiée aussi par la famille entière. Papa, maman, les enfants, toute la maisonnée, toutes les personnes qui habitent la maison. C'est pourquoi on dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que la maison comme immeuble, ça ne peut pas servir l'Éternel. Mais ce sont les personnes qui vivent, les personnes qui vivent, qui peuvent servir l'Éternel. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Et tout ça, ce sont des bénédictions. Le Saint-Sacrement est là, le matin jusqu'au soir, pour que nous puissions avoir le temps de parler à Jésus, de le contempler, de contempler sa splendeur. Même si tu te mets là-bas, tu te mets seulement, tu regardes les saints sacrements de Dieu, les saints sacrements, c'est Jésus le vivant. Jésus le vivant est là dans les saints sacrements. Tu es là seulement pour le contempler. Lui-même connaît déjà nos problèmes avant que nous puissions lui parler. Parce que même nous, si nous parlons beaucoup seulement, ça, sans la foi, c'est rien. Même, mais si tu contemples avec foi le saint sacrement de Jésus, tu les contemples seulement. Tu les contemples. Tu les contemples. Et dans ton cœur, tu entres dit Jésus. Je te vois, tu es devant moi. Regarde. Je n'ai pas les frais scolaires pour mes enfants. Seigneur Jésus, regarde notre pays. Regarde ma famille. Ne vis pas dans la crainte de Dieu. Regarde ma femme et ce qui me conduit. Regarde mon mari prend beaucoup la boisson. Regarde, regarde, regarde. Tout cela, Jésus connaît déjà. C'est mal, lui, il nous dit, demandez, elle vous donnera dans Matthieu 7, 7. Pigeni odi utafunguliwa, ombeni utapewa, dans Matthieu 7, 7. Et tena ye anasema ye mwenyewe, mukiniomba, munaniita kwa imani, nitashurulika, nitasikia ombi lenyu na nitawatendea. C'est pourquoi prier, c'est bon, prier, c'est bon, prier, c'est bon. Alors, bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu me bénisse aussi. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus.
Nous t'adorons, Jésus, mon sauveur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, mon sauveur. Tu es le seul, Seigneur, tu es le seul. Tu es le seul, Seigneur, tu es le seul. Ni we we tu, Bwana, ni we we tu. Ni we we tu.